Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau Let's Play sur Debus. Voilà, il y a quand même déjà pas mal de vidéos qui circulent sur YouTube, mais nous on a décidé d'un peu attendre hein, que ça se tasse et on voulait maintenant que le jeu est sorti en accès anticipé, vous sortir une petite vidéo Let's Play et un peu aussi donner mon avis sur ce jeu qui certes a l'air très beau, mais est-ce qu'il est stable? Alors, à première vue, j'ai déjà joué une partie et le problème, c'est que quand je quitte le jeu, le jeu reste néanmoins allumé sur Steam, hein, même si j'ai tout fermé, j'ai tout éteint. C'est pas très dérangeant, mais bon, c'est pas grave. On va faire une petite partie en vitesse comme ça. On va prendre la météo dynamique. Le jeu se joue au clavier, à la manette Xbox ou au volant G29, G27 ou ou Thrustmaster ou ce que vous voulez. Hein, tout est compatible. Et au niveau des véhicules, on a le choix entre deux véhicules différents, le Citywide LF 12 mètres ou on a le Citywide LF 18 mètres. Voilà, le 12 mètres, c'est le simple bus. Hein. C'est ce qu'on va prendre. De contrôle, ça c'est déjà réglé, donc il y a pas de souci à se faire ça à ce niveau-là. Alors retour, mode libre, départ. Alors voyons voir s'il fait beau en Allemagne. À mon avis non. J'ai comme un pressentiment qu'il y a une grosse drache qui se prépare là. Ah, pour ceux qui savent pas, la drache en fait en Belgique c'est la pluie quoi. Et je pense que même dans le nord de la France ils disent la drache. Ah, il fait bon, mais je trouve que le jeu va assez fort. Peut-être je vais devoir régler ça. Sachant que je réutilise enfin Action, hein, puisque je pense que ici c'est vraiment le plus stable. La chose la plus stable qu'on peut avoir, ouais, c'est déjà un peu mieux. Voilà, on a un petit bus de merde. Enfin, un petit bus de merde. On a exactement deux entrées ou deux sorties et une entrée pour les handicapés et une sortie à l'arrière, comme les bus de la STIB ou de la TEC. Voyons voir. Je vais allumer mon ordinateur de bord. Voilà. Alors, c'est le tour 61 597 ou 597. Donc, 6, 1, 5, 9, 7. Et on valide. Impeccable. 3,80 €. Alors, on va lui donner 20 cents. Ticket à l'unité ABC. Imprimé. Voilà. Alors, pour démarrer, maintenez A. Excellent. Donc, comme vous pouvez le voir, le jeu est assez fluide. Hein, malgré que vous le voyez en 30 FPS, ici, je suis à environ 80 FPS facile. Et ça a l'air de tourner nickel. On va desserrer le frein à main et on va démarrer. Ouais. Ça a l'air de rouler plutôt bien. Voilà. Attention à l'ami. Plutôt sympa les bus là. Ça me fait penser un peu à Flixbus. D'ailleurs, les mêmes développeurs qui ont fait ce jeu. Et je dois dire que niveau jouabilité, c'est agréable. Très agréable même. Alors faut savoir que le jeu, la carte sur laquelle on joue, c'est Berlin et c'est à la taille 1-1. Donc ça veut dire que 1 km dans le jeu, c'est 1 km en réel, quoi. Donc ouais, il y a de quoi faire les gars. Il y a de quoi faire. Imaginez un Euro Truck Simulator. En taille réelle, ce serait excellent.
Alors je me suis dit je vais quand même prendre le jeu parce qu'on sait jamais. Ça peut être une belle surprise ou bien si c'est un navet, ben je le rembourse, je me fais rembourser quoi. Et jusqu'à présent je suis quand même surpris de la qualité du jeu et de la qualité au niveau des graphismes, malgré les petits bugs d'ombre hein, comme vous pouvez le voir actuellement. Mais bon, le clipping c'est à peu près sur tous les jeux, hein. Ça c'est. Alors j'ai perdu pas mal de temps, je vais essayer de tracer un peu la route. Alors il prévoit quand même pas mal de choses, hein, parce que j'avais acheté vraiment le jeu pour son multi, hein, parce que j'espérais quand même faire une vidéo avec White sur ce jeu, enfin sur cette simulation, puisque là, c'est plus une simulation qu'autre chose. Et bah, du coup il n'y a pas encore le mode coopération, mais ça ne pourrait tarder. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué qu'on se dirige un peu plus, enfin la chaîne se dirige un peu plus vers les jeux de simulation plutôt que des jeux à la n'importe quoi. Et ça, c'est bien. Ah, il est gentil le camion. Il m'a laissé passer. J'ai pris la bordure avec. Ça, c'est pas bon ça. Faites ça pendant le permis de bus, c'est directement fini quoi. Bon, c'est pas que j'ai passé mon permis de bus, mais c'est un truc quand même que je sais quoi. Même en voiture, hein. Prenez une bordure. Bon, au niveau des sons, franchement, il n'y a rien à redire, hein. On s'y croit. C'est immersif. Graphiquement, ben, c'est pas mal. C'est propre. Et jouabilité, bah, il n'y a rien à redire. Si ce n'est que, bah, des fois, on a un peu du mal avec les touches, parce qu'il y a quand même pas mal de touches, hein. Il y a une touche pour ouvrir les portes, les clignotants, frein à main, la radio. Tous les petits trucs comme ça qui font que ce jeu est quand même assez poussé au niveau simulation. Et comme vous pouvez le constater, ce jeu est vraiment fluide, enfin fluide entre parenthèses, hein, parce que il y a des fois quelques petites pertes d'image, mais rien de bien grave. Impeccable. Une fois voir. Alors, il est 54 et voilà, on est bon. Alors, au niveau des sons, je le dis, hein, c'est vraiment immersif, impeccable. Le son du moteur du bus, plutôt bien foutu aussi, hein. Ou qu'on se le dise. Il y a quand même du taf là derrière. Oh, il y a un man. Un camion man. Ouais, c'est un camion man ça. Mercedes. Volkswagen. Encore Mercedes. Ouais, on voit qu'on est en Allemagne, hein, ça c'est. Il n'y a pas de doute. Station Aral. Ah franchement, je suis vraiment content qu'ils aient vraiment utilisé les vrais noms pour certaines marques déposées. Hein. Une Audi ici en face de nous. Audi A5, mais ici il y a marqué Audi 5A. Terrible. Normalement, je devrais arriver à 58, si tout va bien. Alors, il y a un autre jeu que je voulais vous montrer éventuellement, mais ça, ce sera peut-être pour plus tard. C'est On the Road. C'est aussi un jeu qui pourrait évoluer avec le temps. Une simulation de camion, un peu genre Euro Truck Simulator, mais seulement dans un seul pays, quoi. Donc, on fait du national et il est un peu plus poussé que Euro Truck.
puisqu'il permet en fait de sortir de son camion, de faire d'ouvrir les portes et tout, de charger, décharger. Et si je vois qu'il évolue bien ou qu'il a bien évolué, je serai éventuellement susceptible de vous faire une petite vidéo là-dessus. Mais en attendant, on va se concentrer sur notre chère simulation de bus. Alors, on va ouvrir d'abord les portes arrière. Ouais, je passe à l'orange. J'ai pas envie d'attendre. En tout cas, ça roule. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et j'espère que ça va donner sur la vidéo, hein, parce que toujours un truc dont j'ai peur. J'ai le plus peur, c'est que j'enregistre pendant, je sais pas moi, 40-50 minutes ou bien une heure et demie et qu'après l'enregistrement foire totalement, quoi. Alors, c'est très serré, mais ça devrait passer. Ouais, ça passe. Bonjour. Alors, apparemment, ça a l'air de bien se passer là derrière. Tout le monde est bien assis, gentil. Ce serait bien qu'ils rajoutent aussi éventuellement des écoliers, vous voyez ? On doit s'arrêter à une école et tous les écoliers montent dans le bus et des trucs comme ça. Et puis ce serait le bordel, on devrait calmer tout le monde. Ah, franchement, ce serait pas mal. Ah, enfin, c'est à nous. C'est parti. Je vais prendre la bordure avec, à mon avis. Ouais, gentiment, quoi. Mais ça, j'ai pas trop le choix, hein, vu la... Ok, alors... Alors, unité AB3. On en est combien? 4 euros? Ouais, ok. Et je te rends 1. Merci beaucoup. Ah, le bruit du... Franchement, on s'y croit. Je kiffe. I'm kiffing the bus. Voilà, je vais devoir voir que... Ah, vous voyez, il y a un petit bug. Regardez. Un peu dommage, mais... Voilà, ça va, à mon avis, avec des patchs, ça va se régler, quoi. Vous savez quoi? Au prochain arrêt, je pense qu'on va arrêter la vidéo. Et vous me dites dans les commentaires si vous voulez éventuellement voir une petite série là-dessus quand le jeu aura évolué. Hein, et on fera le nécessaire pour vous offrir ce que vous avez demandé. Voilà, si c'est un jeu qui nous plaît, forcément, ben, on fera une série dessus, mais... Un mode carrière, ce serait pas mal, quoi. Pourquoi je mets à chaque fois ce clignotant, quoi? Friendfield. Putain, j'étais presque dans son huc. Ah, il tourne. Non, il tourne pas. Ah, il va tout droit. Dommage. Ouais, un petit freeze. Je sais pas ce qu'il y a eu. Bon, rien de bien méchant, hein, mais... Quand même. Alors, au niveau des textures... Ah, oh, fuck. Ah merde, elle est garée celle-là, quel con. Attendez. Bah ouais, quel idiot. J'allais encore attendre longtemps, hein. J'attends derrière une voiture garée, quoi. Quel con. Ah, ça me fait trop penser à Bruxelles, quoi.
À Bruxelles et Berlin, c'est un peu pratiquement pareil, à part que Berlin fait la taille de la Belgique. Ah, je tourne à gauche ou tout droit, je sais plus. Attendez, faut que je vérifie ça. Ah oui, je vous avais pas montré ça. Regardez, ça c'est la taille de la carte. Ah ouais, il y a un arrêt tout droit là. Ok. Je pense que c'est un des derniers arrêts, je pense. Hein. Ah non, il y a encore. Waouh, il y a encore tout ça à rouler. Truc de ouf. Donc en fait, on a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 arrêts encore, 10 arrêts à faire. Mais on va pas les faire en vidéo. Éventuellement en mode carrière, on pourrait le faire. Hein, mais là pour l'instant, on va se calmer un peu. Hein. Mercedes. Ou Mercedes, je sais pas. Je sais pas comment on le prononce. Mercedes, Mercedes. Ok, on a l'arrêt de bus juste là-bas devant. On va s'installer gratuitement, hein, gentiment même. Attention, on peut prendre la bordure avec. Impeccable. Ouais, vous voyez les saletés là, c'est dégueulasse. Hein. Faites pas ça chez vous, hein, comme on dit. On va laisser sortir tout le monde. Et on va en profiter. Pour bah, contempler le bus. Capture d'écran réalisée. Ok. On peut éventuellement un peu mettre de la saturation parce que. Ok. Bon bah voilà. Ça c'était le mode photo. Je pense que je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt. Et je vous dis ciao ciao.